père est allé aux Jeux olympiques en 1976 à Montréal, dans sa ville natale. Puis moi, en grandissant, les Olympiens, c'était mes héros. Mon père était mon héros. Mon père est décédé lorsque j'avais 9 ans, la leucémie du cancer. La vision de ma sœur, avec le deuil de notre père et des Jeux olympiques, pour elle, elle voulait faire comme papa, elle voulait représenter le pays aux Jeux olympiques, elle y croyait. En 2008, Émilie s'est qualifiée pour ses Jeux olympiques à elle. Puis c'est vraiment là que j'ai eu le déclic du rêve olympique. J'ai commencé à réaliser que le rêve de devenir athlète olympique était réalisable. C'est là que je me suis dit, c'est possible. Émilie m'a prouvé que l'impossible était possible. Mais il y avait aussi la petite compétition en frère et sœur que si elle aussi est capable, moi aussi je suis capable. Quand on se met à rêver, tout devient complètement différent. La devise olympique, Sitius, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. C'est la devise qui nous fait pousser encore plus, étant un athlète olympique, à nous amener à d'autres niveaux, à travailler fort. Puis c'est en 2012 que j'ai enfin réalisé mon rêve de devenir olympien, comme mon père, comme ma sœur.